Eh bien, bonsoir tout le monde, c'est Farage, on se retrouve en compagnie de Link le Guise, avec la... Oh, la petite lune au-dessus de la tête de Link, c'est mignon. Mais par contre, elle t'aime pas, elle s'éloigne de toi. Bon, ça va Link? Eh bien, ça va très bien. Pour affronter cette troisième nuit et espérer survivre, sachant qu'on ne voit absolument rien. Oh, tiens, d'ailleurs, en parlant de... on voit rien. Ouais. Est-ce qu'on serait, on se retesterait pas du coup les boosters de vision nocturne? Ah bah vas-y, si t'en, il doit t'en rester un, non? Il m'en reste deux. Ah bah vas-y, tu me diras ce que ça fait. Donc alors, j'en ai un. Et pendant coup, que le soleil se couchait, je sais pas si vous voyez cette espèce de forme qu'il y a au fond. On voit? Ah bah alors attends, tiens, déposer. Et en fait, on s'est dit qu'il y avait une forme qui ressemblait à un stade au fond. Donc on s'est dit peut-être que ce serait intéressant d'aller voir, mais deux jours. Tu l'as posé? Ah oui. Oui, là oui. Ah bah oui, là oui. Ah oui. On voit? Ah bah oui. Alors voyons. Ah oui. Ah oui. Donc je dis ah oui, effectivement, oui. Effectivement. Mais bon. Donc on disait, ben en fait, là au fond, ça ressemble à un stade et apparemment c'est une zone dans laquelle on peut aller. Mais avant, on doit aller arrêter cette foutue musique. Alors. Oups. J'avais oublié que j'avais pas équipé le grappin. Alors, je reviens, non, parce que moi j'ai pris une tyrolienne sans le vouloir. Ouais, reviens s'il te plaît. J'avais oublié que j'avais pas équipé le grappin. Comme en fait, je vais peut-être pas revenir. Non. Oh putain. Oh, crève. Déchiquetez-le. Oh le fail. C'est bon. Ah, mais. En fait, tu sais, j'ai sauté comme un dingue et. Et j'ai tiré un pétard. Hein. Donc ça a pas aidé. Bon, ça commence bien. Bah alors, qu'est-ce qui se passe, Rick? Y'a des problèmes? Donc vous avez peut-être remarqué aussi que j'ai changé d'épée, du coup, parce qu'il y avait une képèche qui était assez intéressante. Du coup, j'ai pris la képèche. Qui fait presque du 1000 de dégâts. Bah, ce qui est quand même pas mal. Ouais. Ce qui est quand même pas mal. Je me suis monté donc une épée, je vais aller à 750 de dégâts. Donc. Pardon, excusez-moi. Non, pas là! Bah si, ça va. Voilà. Bon, je suis au pied de l'immeuble. Moi je suis au-dessus de toi. Ok. Ah, ça doit être par là. Mais non, pourquoi vous m'avez vu? Ferme la porte. C'est une zone sécurisée, ça va. Eh bien alors, tu croyais que les zombies c'était dû à un virus, mais non, c'est un rituel maléfique, c'est à cause de moi que les zombies sont là. Pardon. Oui, Eddie. Pourquoi vous êtes ici? Hein? S'il te plaît, je suis en train de discuter avec un squelette. Tu pourrais pas me redresser? Il m'a laissé là, il m'a abandonné après que je l'ai dépouillé après un strip poker. Y'a plus de caca? Moi j'étais un intellectuel, mais là, franchement, lire toujours les mêmes livres, j'en ai marre. Il faudrait renouveler un peu le stock, aller à la bibliothèque. Tu veux pas une quête? Caca. Bon, il y en a trop, voilà, il parle plus de là. Votre Némésis vous attend. Il vous attend depuis très longtemps. On dirait que vous l'avez rencontré. Une fois, il a voulu connaître mes visions pour en tirer profit. Mais je ne partagerai pas mon don avec un homme comme lui. Et pourquoi tu mets de la musique? Vous, je le ferai. Combien ça va me coûter? Le prix sera élevé. Mais ce n'est pas moi qui recevrai le paiement. Maintenant, vous allez vous rendre à la rivière. Il y a une belladone très odorante qui ne se révèle qu'au clair. Ah bah ça tombe bien. Ouais. La faire brûler permet à celui qui cherche de percer. Mais j'ai pas envie d'aller me droguer dehors au milieu des rapaces. La dernière fois, ça m'a suffi. Peut-être que je le ferai. Le trap rapace, ça m'a suffi la dernière fois. Rien n'entre ici si je ne le souhaite pas. Oui, bien sûr. Maintenant, je dois préparer mon esprit. Bon bah. Alors, des herbes de nuit au bord de la rivière. Allons-y. Bah, c'est parti. Attends, je vais pas sauter comme un dingue. Wouhou. Ça va? Je vais bien. Tant mieux. Moi aussi. Alors. C'est pas un peu haut là? Non, ça n'est jamais assez haut. Voilà, ça le fait. Aïe!
Alors, des voitures de police, on est où là exactement? Ah, mais il y a même le tonnerre et tout maintenant. Ah ouais, on est à la limite nord de la zone. Voilà. On y va. Tellement que dalle avec l'orage. Non, on y voit rien du tout. Oh. Ouch. Ah, tu as vu, là je suis tombé dans l'eau, je m'étais même pas aperçu que j'étais dans l'eau. Bon, ça tu dis. 1, 2, 3, 4, 5, oui, j'arrive. 6. Oh, bah c'était tranquille cette nuit. J'avoue. C'est... Bah alors, Link, c'est pas le moment de roupiller. Bah, je sais pas, j'avais trouvé un coin tranquille, moi j'étais bien. Non, mais je vous jure. Par contre. Ah, oui, d'accord. Il y a un crasheur quelque part, mais je sais pas trop où. Oui, en face, ils sont en face. Enfin, il est en face, mais ça m'intéresse cette zone là. C'est attends, non, c'est un peu tranquille. Fais voir, ouais, c'est des espèces de parcs avec potentiellement des esquiveurs. J'aimerais, je serais presque tenté de le trouver, l'esquiveur. Eh ben, parce que ça, si je dis pas de bêtises, il me semble que ça nous avait rapporté de l'XP la dernière fois quand on l'avait tué. Oui, ça avait donné masse XP. Ça pourrait être intéressant. Il est au nord, juste devant. Par contre, le grappin n'a pas l'air de marcher. Il va falloir descendre. Rapace ou zombie devant? Je pense que c'est un crasheur. Bon, si tu me vois partir en courant, c'est que. Ouais, ouais, ah, ouais. Mais il est en haut. Ah oui, c'est un crasheur, je confirme. Ouais, mais comment tu montes? Bah, je veux bien, mais. Ouais, c'est deux crasheurs même. Ah, je crois que j'ai trouvé le grappin à la route. Bon, j'avais un chemin avant de me casser la gueule. Ah, mais je vois rien, mais c'est terrible. Moi j'ai un chemin, mais je ne vois rien. Allez, un de moins. Bon, je sais pas si les viewers vous voyez mieux que moi sur la vidéo, mais moi je vous. Rien. Je sens que je vais foncer vers la falaise et que je vais tomber. non, c'est pas vers Link qu'il faut foncer. Bah, écoute, le moment où tu entends crack, c'est que t'es arrivé en bas de la falaise, d'accord? Ouais, je pense que je serais mort à ce moment-là. Alors, par contre, il faut faire gaffe parce que s'il y a un esquiveur, il est par là. Et si on fait du bruit. Ah, de toute façon, à mon avis, c'est déjà trop tard. Là, au radar, je vois rien. Non, puis à mon avis, c'est déjà trop tard. Le crasher, avec tous les bruits qu'il a fait. Ah, c'est pas impossible. Il y a un rapace là en face. Il y a un rapace, et plus loin, beaucoup plus loin, il y a un autre nid d'esquiveur. Bon, on verra plus tard. Ça va, des champignons. Hop là. J'avoue que, ouais, des champignons, faut que j'en récupère. Je suis très curieux de voir le plan là qui en demande 30. Ouais, j'avoue. Bon, bah, le jour se lève déjà. Bah alors, c'était rapide. J'avoue, ouais, clairement. Bon. Bon, j'ai rien foutu de la nuit, mais. Ouais, non, pas moi non plus, hein, mais. Je suis un explorateur. Et j'ai gagné. 5700. 7400. Oh. Comment j'ai pu gagner 2000 points de plus que toi? Moi, je suis mort. Je vois. Attends, j'ai vu deux points d'exclamation sur mon radar, mais je ne les vois pas sur la carte. Aïe, je ne les vois pas sur la carte, donc je serais. Ah okay, bah c'est juste là, donc on va aller voir. Bonjour. Zone sécurité débloquée. Hein? Bah... Ok. Bon bah alors attends, si elle est débloquée on reviendra, c'est juste à côté qu'il faut pour rendre la quête, on va peut-être la rendre d'abord. Ah bah avant oui. De partir sur encore d'autres quêtes. Mais elle était pas indiquée cette zone sécurisée. Non, pas du tout. D'accord. Tiens, vas-y, saute. Saute, j'ai dit. Voilà. Des fois, Fiona a aussi sauté derrière toi. Bon, tu veux pas couper la musique, toi, ça en plus, passe. Ça passe. Ah merde, c'est trop ça. Tu as trouvé les herbes, on va pouvoir planer ensemble, ah. C'est trop cool. Les herbes, placez-la dans le brasier et nous pourrons commencer. Mais j'ai pas envie de me shooter, tu sais. Bon, je l'ai placé, et alors? Et maintenant, quoi? Oh. Plus un mot. Le soleil levant vous mènera à la fontaine qui pleure du sang, près de l'endroit où les gens parlent des langues. Vous devrez suivre le chemin rouge pour être éclairé. Sous le chiffre 9, trompeur, l'ombre d'un roi autoproclamé vous attendra. Le roi contre qui vous devrez vous battre. Vous trouverez qui il est
Et quelles sont ses faiblesses? Quand l'heure sera venue, vous prendrez sa couronne. Il parle de Rice? Peut-être. Suivez les indices de la prophétie. Il faut qu'on aille. Suivez les indices de la prophétie. Bon, bah. Attends, est-ce qu'on irait pas d'abord prendre les quêtes de la zone de... à côté? Comme ça, elles sont. Non, mais comme ça, on les a dans l'inventaire. Ouais. Avant, parce qu'apparemment, il faut qu'on parte là tout au sud de la ville. Ouais. Ça m'intrigue cette quête là. Mais accroche-toi, nom de Dieu! Merde, putain. Là, j'étais en train de suivre le marqueur de quête, moi. C'était sur la gauche là, non? Hein? Quoi? C'était sur la gauche tu, de. Oui, c'est ça. Non, mais tu. Bah, tu veux ma tête, c'est moi qui ai eu la tienne, mon gars. Bonjour, messieurs, dames. Madame. Mais je fouille, hein, j'en prends. Ah, une affiche de Bozak. Ah non, c'est bon. Ah, un plan. J'arrive. Il est sur la chaise là tout au fond. Sur la chaise là tout au fond. Là, ici. Ah. C'est le médiéviste. Ok. Bon bah alors allons parler à tous ces gens. J'aime pas la musique. Bonjour madame. C'est toi qui as secouru ce petit garçon? Comment va-t-il? Il est en route pour la tour. Brecken avait envoyé un messager qui devait revenir dans tous les cas. Alors il a juste pris Samy avec lui. Il sera avec sa mère d'ici demain. Merci. Content de l'apprendre. Peut-être que je le croiserai à la tour. Bon, d'accord. On est content. Ah oui, le gosse oui, de le l'autre. Oui, le gosse de Pablo. Je sais plus comment il s'appelle. Ouais. Oui, celui qu'on a tué, quoi. Ouais. Si c'est pour la nourriture, ouais. Tu dois attendre ton tour. On voit rien. C'est pas pour ça que je suis là. Je suis c'est Crane, pas que, mais bon, quand même. Je devrais être là pour autre chose. On n'a plus rien. Nourriture, eau, médicaments. On s'attend pas à ce que la vieille ville soit plus pauvre que le bidonville. Mais c'est pourtant le cas. Je commence à me demander si ces rumeurs sur une grosse planque de nourriture en ville ne seraient pas la vérité. Dommage que la seule personne qui sait si c'est vrai est Abby Erdal. Il dira rien. Je peux le trouver où? À l'autre bout de la ville. Il n'est pas dangereux, juste un peu... difficile. C'est un ancien secrétaire de mairie et il a un côté bureaucratique. Essaie de pas le tuer. Non mais de suite, genre on va le tuer. Si quoi. Tu devais le tuer, je te comprendrais. Bon, ben on verra. Oui, non, mais je veux, j'essaie d'allumer ma lampe, mais comme il y a le truc de quête là. Voilà. Bon, ben on verra après. Toi, qu'est-ce que tu vends? Rien de particulier. Et rien dedans, de particulier. Y a pas de quête. Ok, bon, je vais juste vendre si j'ai des trucs à vendre. Ouais, des shurikens là. Ouais, j'ai un pistolet à vendre vite voilà. Fait. Donc là, voyons. On a un marqueur de quête qui est là, une caisse. Parler à Tabi qui est juste là. Oh. Et après, il faudra qu'on se rende ici. Oui? Qu'as-tu trouvé? Parle! Fusil composite. Je sais pas ce que c'est. Mais voilà, je vais c'est tester. C'est un fusil qui est composite! Ah, elle était longue cette tyrolienne! elle m'a fait traverser la moitié de la ville! C'est celle que. C'est... Ouais, celle c'est de celle. Gauche, il y en avait deux. J'ai pris celle de gauche. Putain, elle est longue. T'as vu? Bonjour. Non, j'ai dit au revoir. Mais descends. Ah, merci. Oui. Non, elle était plus courte, celle-là. C'était qu'un petit oui. Bon, et sinon, la prophétie, c'est par où? Encore 130 mètres. Eh, bon, moi j'arrive pas à monter. Le grappin. Les grappins. Oh, c'est encore un petit tag avec des chats. Le grappin l'a choisi. Il doit partir pour un monde meilleur. Ouais, tu... Voilà, je suis arrivé.
Excuse-moi, j'étais occupé avec un tag avec des chats, tout ça. Tout. Alors attends, je vais lire parce que là on est dans la zone, mais je sais pas ce que je dois chercher dans la zone. Ishak a promis de partager son nom avec moi, il veut avoir mon avenir, peut-être que certaines manières les raïssent, ouais. Alors, soleil levant qui me guide à la fontaine de sang où les gens parlent des langues, suivre le chemin rouge pour être éclairé, le chiffre 9 trompeur, ombre d'un roi autoproclamé. Donc, soleil levant, c'est vers l'est. Vers me guide vers la fontaine de sang. Le soleil levant me guide vers la fontaine de sang. Une fontaine de sang. Là. En bas. Oh oui, bah oui, en effet. Une fontaine qui pleure du sang. Je suppose que c'est ça. Alors, vers la fontaine de sang. Où les gens parlent des langues, suivre le chemin rouge pour être éclairé, le chiffre 9 trompeur. Où les gens parlent des langues. Je crois qu'il y a marqué fuck médecine. Où les gens parlent. Des gens qui parlent des langues. L'hôtel aurait abrité beaucoup d'étrangers. C'est peut-être ça. Ouais. Ouais, ça me semble. Je veux suivre le chemin rouge. Donc, il faut entrer dans l'hôtel. Ok. Alors, le chiffre 9 trompeur. Roi autoproclamé. Bon, on va voir. Voilà, c'est ça. Le chiffre 9, trompeur, ombre d'un roi autoproclamé. Donc le chiffre 9 serait l'ombre du roi. Donc ça serait pas vers le chiffre 9 qu'il faut aller. Si je comprends bien. Ouais. Eh ben, soit il est voyant, soit on me tend un piège. Le chiffre 9, trompeur, doit être celui d'une chambre. Ouais, mais alors attends, avant de monter. Alors j'ai. La clé de la chambre du personnel. Ok, bah. Je viens de la trouver sur la table. Crochet. Bonjour. Ça, c'était sûr. Reste là, toi. Ne te relève pas. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Percade le mur. Attends. Les pistolets, le mur. Le mur. Oui. Oh. on prend tout, hein. Non, celle-là c'est moi. Bon, ça revient au même. Oui, mais celle-là je voulais la prendre. D'accord. Je te la laisse. Nye. Non. Il y a tellement de trucs qui brillent dans tous les sens par contre. Ouais. Comment ça se fait qu'il y a autant de crochets par contre? Par contre, tu as vu le symbole de. Enfin, les traces de sang là, ça forme quand même un espèce de symbole. Ouais. C'est bizarre. J'avoue. Hein? C'est bizarre. Qui? Quoi? Comment? Quoi? Ah ok, derrière toi. Ah. Tiens, je fais la passe. Alors avant de monter, moi je descends. Bonjour messieurs dames. Excusez-moi. Voilà, vous étiez au milieu. C'est pas bien de défoncer les portes. Ah comme mais attends, il y avait encore plein de clés par terre. Ah bah ramasse. C'est bon, je les ai. Chambre 101, chambre 204, chambre 207. Bon, mais le sous-sol, y'a rien. Ok. Chambre 102. Y'a absolument rien. Chambre 201. Bon, bah. Bah, je commence à monter, je vais. Ah, bah, t'es déjà là? Ouais, je vais commencer. On part chacun dans un couloir, on verra bien. Chambre 104. Ah, c'est toi qui as la clé de la chambre 104? Ah non, attends. Oulé. Non, c'est moi. Vous m'avez pas vu. Sorry. Oh, il y a un gars qui s'est pendu. Ah. Bon, là, il faudra passer par l'ascenseur. Sauf que du coup, chambre 105. Tu me dis si tu trouves des trucs intéressants, hein, comme ça évitera de fouiller les chambres inutilement. Oui, bah, des zombies. Ouais, non, mais pareil. Pour l'instant, pareil. Rien de... Rien qui ne mérite d'être vu. Alors, la 103. La 103, c'était rapide, la porte est bloquée. Ok. Non, ferme par la... Mouton, la porte. La 102 est déjà ouverte. La dernière chambre est la 107. La 107 est déjà ouverte aussi. Bah, la 102 aussi. Dans la 102, il y a déjà des gens qui sont morts. Il y a des cadavres dévorés. Vas-y, prends. Dans la 102, j'ai rien. Je vais essayer la 101. Absolument rien. Bonjour.
Il y a un gars décapité, mais il n'y a pas de tête. Une valise. Des habits. Ouais, non, il n'y a rien. Bah, la 106. Il y a une note dans la 107, tu m'as dit. Ouais, sur la commode quand tu rentres à droite. Trouver la chambre 9. Ouais. La 100. Non, c'est en face. Sur la commode quand tu rentres à droite. Ouais, ok. Bon, bah là, il n'y a que dalle. Bon, bah, trouver la chambre 9, faut prendre l'ascenseur, c'est ça? Ouais. Bon. Et on doit se rendre à 205 ici. Ah. Zombie. Et moi, je... Ah, moi j'ai la 209, on la fera en dernier. La 207. Ah oui d'accord, 9 trompeurs. C'est la 206 mais le 6, il y a une vis du 6 qui est tombée, ça forme un 9. Ok, ah, d'accord. Wow, on va d'abord faire la 207. Oh tu t'es fait défoncer toi. Ah, y'en a un qui a pris cher. Ouais. Ah oui. Bah là y a rien. Bon bah moi j'ai rien là. Bon bah j'ouvre la 209 alors. Enfin la 206. Eh bah c'est parti. 9 trompeurs, bien sûr. La dernière chambre est la 107. 9 trompeurs, bien sûr. Qui avait pas l'air bien mon gars, j'ai préféré abréger tes souffrances. Alors une caisse de rice. Ah oui, ils avaient l'air de faire des trucs intéressants ici. C'était la chambre de Rice. Il a dû s'installer ici au début de l'épidémie. Intéressant. Par contre, l'arme que j'ai pris, c'est quoi? Juste un pistolet de... Ah non, pistolet de Rice. 376 de dégâts. Intéressant. Ouais, oui, je vais le revendre. Hein. Le bunker, j'ai rencontré Ian, un type dont le dépôt est pratiquement vide. Il m'a dit qu'il était... Ah oui, là, ouais, d'accord, ok. La cache de nourriture. Ah ouais, la chambre de Rice. Alors... Ah bah ouais, je l'ai récupéré aussi, le pistolet de Rice. Ah, il a carrément fait des plans... Ah, il a entouré la tour, c'est une zone rouge. Mais... Ouais, confidentiel, confidentiel, confidentiel. Ah ouais, ah non, il envoie de la gueule par contre, le pistolet de Rice. Ouais. Ah, il est pas mal, j'aime bien. Oh, ouais, qu'est-ce qu'il a de particulier? Il est plus gros. Ah. D'accord. Donc j'imagine qu'il fait plus mal. Il y a un Kurishi puissant là dans le sac. Ouais, je l'ai eu aussi. Mais je l'ai déjà démonté, hein, je te l'ai... Oui, non, mais, bien sûr. Mais... Bon, bah ok. Bon, bah on peut se barrer. C'était intéressant. Sortons de là. Pati, 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 pati. C'est par là. Dun, 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 dun. Allez, eh ben, très bien aujourd'hui d'en terminer avec ces quêtes annexes, comme ça on fait un peu de scénario la prochaine fois, ça fait un moment qu'on en a plus fait là. Ouais, c'est vrai. Bon, ceci dit, il y avait combien, 3 épisodes de scénario pour là, 6 épisodes de quêtes annexes? Ouais, quand même. Je sais plus. Ouais, je crois que c'est ça. Alors, allons voir le bunker. Le banquet. Ça, j'avoue que ça par contre, ça m'intéresse. Ouais, enfin, c'est un bouquin, c'est une réserve de nourriture, apparemment. Ouais, mais il doit y avoir du stuff dedans. Bof, je suis pas sûr. Aïe. Voilà. Ok, il tient étrangement bien sur ses jambes, lui. Yeah. Ça passe. Tic. Faudra qu'on passe aussi voir l'intendant à un moment donné. C'est vrai. Je pense qu'on a quelques caisses à lui donner, ça fera pas de mal. Bah en théorie ouais. Encore qu'aujourd'hui on n'a pas trouvé énormément il me semble. Bah on a quand même hein. On a combien, 4 ou 5 quand même, non? Oui, enfin c'est plus, enfin c'est moins que ce qu'on a habituellement ici. Oui, c'est moins que la dernière fois, certes, mais ça reste quand même pas mal. Je me fais manger, je me fais... Ah, bien joué. Oh, attends, tu es qu'à 40 mètres, je vais essayer d'arriver. Non, non, je marche. D'accord. De toute façon, j'étais tombé donc. Ah, ça. Bon bah. Non, mais on a rien vu. Sur mon point de vue, on n'a pas vu que tu es tombé donc c'est bon. Moi, bon, je suis pas tombé tout en bas, mais. Ah. Je vais te faire un bon prix. Alors, ouais, on sait là-haut qu'il faut aller.
Non, c'est pas là-haut. C'est juste en dessous. Voyons voir le petit... Ah. Le petit A. Le... Oh, le gun de Rice. Ah. moi je veux bien, mais on rentre par où? Par là. Seuil. Alors, un coffre très difficile. Ouais, donc il tire 3 balles par 3 balles, donc c'est chiant. 3 balles par 3 balles, c'est bizarre ça. Alors, qu'avons-nous? Une bourse, des bijoux, une porte qui s'ouvre et une zone sécurisée atteinte. Tintintintintin. Des bourses, des bourses. Chut! Il est en train de faire dodo. Hein? Je peux vous aider? Vous êtes monsieur Tabby Erdal, secrétaire de mairie? C'est bien moi. Mais la municipalité a été dissoute sur ordre du GRE et du gouvernement fédéral. Mon poste n'existe donc plus. Et je n'ai donc ni l'autorisation, ni l'obligation de venir en aide à qui que ce soit. Pour conclure, je vous salue. Un instant, monsieur Erdal. Cette dissolution oblige tous les fonctionnaires à se mettre au service du GRE et des autorités provisoires si besoin est. Vous êtes avec le GRE? J'ai besoin d'informations sur une grande cache de nourriture dissimulée en ville. Oui, le bunker. Si vous voulez vous en emparer, vous devez remplir les formulaires 201, réquisition d'agence, JP401, détail des opérations. Si il me demande le laisser passer à 38, ça va mal se passer. J'y ai pensé. Contrainte des autorités spéciales et le 302B, déclaration d'urgence. En temps normal, il faut 3 jours pour accéder à cette demande. Mais en ce moment... C'est trop long. Dans ce cas, je vous conseille d'utiliser la méthode traditionnelle pour accélérer les choses. C'est-à-dire? La corruption. Il me faut le tampon du maire. La dernière fois qu'on l'a vu, il était à l'hôtel. Trouvez sa chambre et vous aurez ce tampon. La méthode traditionnelle, c'est la corruption, d'accord. Mhm. Ok. J'aime bien comme il dit ça, tu sais. Ouais, bah ouais. C'est tout à fait naturel. Alors, allons-y. Oh. Bonjour, monsieur. Petit crochetage au passage. La méthode traditionnelle, la corruption. Une machette et du café. Et un pendu. Oh, c'est dangereux ton truc pour sauter au-dessus des zombies là. Ça a failli me faire sauter dans le vide. Ah bah tu vois le nombre de fois où j'ai failli me casser la gueule. Tu non, comprends non, maintenant juste, c'était un manque de skill. Ah bon. C'est peut-être ça. Ça parle mal. Tu sais le nombre de fois où genre j'ai sauté par dessus toi. Oui oui oui. Je vois très bien. Tu comprends mieux maintenant. Alors, est-ce que c'est des gars en noir là-bas ou pas? Ou c'est des gars de Rice? Bah demande-leur, tu vas aller voir, excusez-moi, vous êtes habillés en noir ou pas? Si, ils sont habillés en noir. Oh. Donnez-moi les caisses de réquisition. Ah ah ah. Je m'en fous du survivant. C'est toi qui tire. Eh hey, mais il est pas mort lui. Non il est pas mort. C'est bon. Te plaît. Ah ouais t'inquiète. Merci. Alors. Ah non je voulais pas te soigner. Oh, ouais, bon. Un pack de réquisition. Un fusil militaire. Et un pack de réquisition. Bien. Ça nous en fait 4. Et merci de m'avoir soigné. Bah mais avec plaisir. Mais j'ai entendu que tu voulais pas me soigner. Non, c'est pas vrai, j'ai pas dit ça. Tu te dis ça. Alors, une machette, une bourse. Ok, bon bah. Enfin bon, un coup de 2 par 2 qu'on trouve de temps en temps, on n'est pas prêt de les avoir les 50. Hein. Tellement. Ah merde, c'est de l'autre côté. Là. Ouais, yo 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 yo! T'es joué! T'es bon! Et de qui est boulé? Non, je. Ça a failli être terrible! Non, t'as plus de bras, t'es pas censé pouvoir m'attaquer! Ah, il peut toujours mordre! Oui, mais il a fait le mouvement d'une attaque de bras, donc. Il triche! Le marqueur dit que c'est bon, mais je doute que le tampon du maire soit sur le toit. Ah oui, ça m'étonnerait, oui. Donc est-ce qu'il faudrait pas y entrer par en bas?
Ou par une fenêtre. Ouais, ou par une fenêtre, mais je vois pas de fenêtre ouverte. Et arrête de cracher, toi. On va faire le tour, on va voir. Pardon. Par là, peut-être. Tan 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 tan. Tu. Ah bah non, c'est. Oui, non, c'est sur le toit. C'est sur le toit ? Ouais. Il y a une. Une écoutille à ouvrir. Fait une écoutille. Ah, on peut l'ouvrir, d'accord, ok. Je m'attendais à avoir un truc directement ouvert, du coup, je me suis pas arrêté sur l'écoutille. Allez! Et bah c'est parti. Entrons dans la mairie. C'était pas un hôtel? Entrons dans l'hôtel! C'est ce que j'ai dit? Oui. Mais en soi, une mairie, c'est un hôtel de ville. Donc c'est un hôtel. Donc on avait raison tous les deux. Voilà! Oh, il y a des trucs là, il y a des trucs. Voyons, qu'est-ce qu'il y a ici? Des crochets. Crochets. Il y a des shampoings si tu veux. Oh, c'est trop bien. Non, ça ira. Oh, il y a plein de trucs. Ah, il y a un spray anti-insecte aussi. Il y a un spray anti-insecte. Ah oui. Ouais. Mais celui-là, on peut pas le prendre. Non. Fermé. Une armoire médicale. Avec de la gaze. Il doit avoir un zombie qui traîne. J'ai entendu du bruit. Alors, des clous. Ça, c'est fait. Et des clous. Mais tu me des héros. Bah, je t'avais dit qu'il y avait un zombie. Ouais, mais il était caché, genre il était là, tu vois, genre là. Ah bah attends. Et au moment où je suis passé, bah il est sorti. Faut bien qu'ils essayent de survivre comme ils peuvent, les pauvres. C'est vrai, c'est vrai. Bon, j'imagine qu'on n'a pas les cartes d'accès pour ouvrir les portes, tout ça, tout ça. Je pense pas. Wow. Je vais t'aider, attends. C'est un zombie qui sait ouvrir, qui sait bouger les poignets. Il est passé par là. Oui. Ouhouhou. Tan 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 tan. Bonjour monsieur. Oh. Je sais pas ce qui s'est passé ici. Ouais. Ah. Mais les penchants. T'as cassé la télé. Ah. Bon, c'est pas grave. Il y avait plus rien à ce tour-ci. Ah. Ouf. Et tu fais danser la macarena à un zombie, mais sinon. Ah bah c'est le problème de l'électricité. T'es... Regarde ce zombie, Link. What the f... Oh. Voilà. Il est, je vais le dire. Oh. Tu l'as vu cette double décapitation? J'ai pas bien vu, non. Il y en a au-dessus qui s'excite encore. Bon, il faut descendre. Descendons. Oh bah j'imagine, oui. Non, t'es pas censé bouger, toi. T'as plus de alors, tête. Alors, j'ai trouvé un ordinateur. Oh, j'ai trouvé une porte. Alors, youpa, voyons. Bof, la qualité n'est plus ce que c'était. Ah bah, en temps de zombie, hein. Bon, et j'ai pas compris quel était l'intérêt de taper sur l'ordinateur, hein. Ah oui, les chambres, d'accord, ok, oui. Okay, ah bah, okay, apparemment, okay. Je suis dans une bonne chambre. Attends, y'a un virulent. Il m'a pas vu. C'est bon, problème réglé. Virulent, il m'a pas vu. Problème réglé. Attends, mais c'est... je l'ai. C'est un nid à rapace, ça. Ah bon? Ah ouais. Attends, enfin, y'a pas de rapace, mais c'est un nid, ça, hein. J'arrive. Tu as le saut, c'est bon? Oui, je l'ai trouvé. T'es genre la première chambre que j'ai fouillée en mode. Il y avait le canapé mère? Non. Cela dit, il y a des canapés en cuir. Oui. Bon, bah alors descends. La chambre juste en dessous, celle que où tu es. Attends, j'ai le room service qui. Tu verras que, ouais, effectivement, les canapés en cuir, ils sont délicieux. Donc tu m'as dit descendre. Là. Descends à gauche. Voilà, là. Oh. Ah oui. Ouais, hein. Ah, c'est... C'est cosy ici. Cosy, je sais pas si c'est le mot qui me serait venu à l'esprit, je t'avoue. Ouais, c'est... Tiens, il y a des fleurs. Bon, moi je suis en train de remonter.
Oui, pas. Parce que je... Si c'est par là qu'il faut, ouais, c'est par là qu'il faut. Oh what the... Quoi? J'ai une sortie. Enfin, j'ai un passage, peut-être. Enfin, je... J'ai un j'sais truc. Je sais pas, moi je suis en haut. Ouais, c'est bon, j'ai la sortie. C'était tout en bas, en fait. Bah, je sais pas, le marqueur dit qu'il faut monter. Ah non, moi je... Bah, le... Enfin, t'as le marqueur de sortie, mais le marqueur d'objectif. Bah, le marqueur d'objectif me dit qu'il faut monter. Ah non, moi ouais, il est devant moi là. Ah bon? Ouais, ouais. Bah, moi il me dit qu'il faut aller. Moi il me dit que c'est au-dessus. C'est là où je suis. Ouais, mais ton marqueur il te ment. Bah non. Il me ment pas d'abord. Non, moi je veux sortir par ici. Ah, bah non, moi je suis le marqueur. Bon, d'accord, je me téléporte sur toi. Parce que c'est chiant, j'ai pas envie de faire le chemin. Mais du coup, ouais, il y avait juste une armoire à pousser et la sortie. Ah non, mais j'avais pas compris en fait. C'est pareil, j'ai envie de dire. Le temps que ça monte au cerveau, tu sais. J'étais encore choqué par ce canapé en cuir. Eh non, mais je comprends bien. Ça m'a perturbé. Bah oui, oui. Le canapé en cuir du plus bel effet, j'ai envie de dire quand même. Parce ouais, que bon. Bah ouais, non, mais clairement. Clairement. Bon, allez, c'est reparti. Putain, j'ai failli sauter. Ouais, moi aussi. Oh bah j'aurais pu en fait. Le matériel. Ouais. Non mais genre tu m'as remarqué, c'est pas vrai. Oui bon toi tu m'as peut-être remarqué. Oh c'est ma place. J'ai pas fait de tourbilol encore aujourd'hui. Oh. Salut les gars. Tourbilol. Oh. Tourbilol. Ah, raté. Oh, une tête. Plein de zombies. Fais gaffe ta vie. Ouais. Bon voilà, c'était les tourbilols de l'amour. Parce qu'il faut bien attendre. Il faut bien un tourbilol dans l'épisode. D'ailleurs, faudra que je pense à me refaire des trousses de soins parce que vraiment, c'est comme ça. Par contre, le plantage d'épée, c'est tellement stylé. Ouais, hein. Aïe. Non. Oh. Appelez-moi l'empaleur. Ah merde, c'était en haut. Ah oui, c'était là. Enfin, je crois. Ah oui, c'était là. Oui, oui, c'est là, c'est là. Bon. Vas-y. Parlez-moi de cette cache. C'était nécessaire. La vieille ville abrite de nombreux habitants très aisés. Ils savaient que les pauvres épuiseraient rapidement leurs maigres réserves et qu'ils tomberaient sur notre quartier comme des sauterelles. Vous avez donc tout gardé ? Le bunker se situe sous l'hôtel de ville. Je peux suivre votre progression sur la fréquence de la voirie. Faites-moi signe si vous avez besoin de documents de la mairie. Je vous en sortirai autant que vous voulez. Bon, bah allons-y. Ok. Alors, l'hôtel de ville, c'est à combien de mètres? C'est à côté l'hôtel de ville. Ah bah c'est là, c'est là en face. Ah ouais, c'est en face, ouais. Ah oui, effectivement, il y a un blason là-haut. Alors. Oh, il y a une caisse. Ouais, en effet. Toujours la même, hein. Oh! Allez, un peu à mon tour de crocheter. Toujours la même caisse. Ah, c'est pas loin. C'est là. Hop. Tac et tac. Alors, tic et tac. D'ailleurs, en parlant de tic et tac, ça fait longtemps qu'on les a pas vus, tic et tac. Hein. Ouais, bah écoute, il me manque pas. Allez, pénétrons dans l'hôtel de ville. Allons dans le cœur. Et bien sûr, on va trouver plein de caisses de nourriture qu'on pourra mettre dans la poche pour les apporter aux gars. C'est ça. Là, mais on a des grandes poches en même temps. Oui, oui, non, mais bien sûr, c'est des poches sans fond. Oh. Alors, voyons. Oh, 300 dollars dans la machine. Pardon, excusez-moi. Pardon, j'aime pas faire la queue. Merci. Alors, piller des biens, je m'en fous de piller des biens, je veux. De toute façon,
pille, on ramasse toujours la même chose. Bah oui, j'avoue que pillage, perso, j'aime pas abandonner. Ouais. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Sors de là. Voilà. Oh, c'était stylé, ça. T'as vu un peu? C'était quoi? C'était un contre. Oh. Ça a fait boum, non? Oui, je... Oui. C'était pas loin, c'est... Ça a fait boum. Ah bah mais non, on va se calmer, on va se calmer, oui. Mais ils viennent d'où? Bah de la zone qu'on n'a pas explorée. Mais enfin, ouais, bon. Seems legit. N'est-ce pas? Attends, je me maquille parce que je... voilà. Hein. Maquille-toi, maquille-toi. J'ai plus confiance, ouais, moi, dans les zombies. Alors, ils viennent de là probablement. Moi, qu'est-ce que tu veux, toi? Coucher. On a dit coucher. Avant de descendre, je vais aller voir en haut. Vas-y. Moi, je... J'ouvre la porte. Enfin, je l'accroche la tête. Porte fermée. Une porte fermée. Et c'est tout. Et une porte fermée. Wouhou! Crasher. C'est pas drôle. Pas drôle. Ah. Tabby, vous m'entendez? Si vous êtes à l'hôtel de ville, pourriez-vous me rapporter du papier à lettres à en-tête du maire? Tu viens d'où, Jacqueline? Où est le pass pour entrer dans le bunker? Mais oui, le pass. Suite à une série d'incidents tragiques, ce pass est passé de main en main. Mais je crois que c'est finalement le capitaine de police Alice qui l'a récupéré. Oui. C'est à lui qu'il faut demander. Pourquoi bon, je vais te dire ce que j'en pense. Je préférais Tic-Tac. Moi aussi. Ah non, mais sans déconner. Bon, allons trouver le capitaine de police. Ceci étant dit, aller dans un commissariat, parce que j'imagine que c'est là où on va aller, c'est pas forcément une mauvaise idée pour trouver du stuff. Ouais, j'avoue que j'avais pas pensé à ça et que l'idée me plaît beaucoup. Alors allons-y. Même si en vrai ça sert à rien parce qu'on va prendre du stuff qu'on va vendre, mais on a déjà tout l'argent qu'on veut alors. Oui. Mais techniquement... Bon attends, je vais juste passer ma frustration sur ces zombies qui sont là, ils avaient qu'à pas être là. Attends, moi je veux en empaler quelques-uns. Oh, ouais, perc, 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 perc. Et voilà. Ah, raté. Ah, oh, t'as raté toi. Ah non. Buter quelques zombies, hein, juste pour le voilà, le défouloir. Oui, exactement. Exactement, dans le plus grand silence. Voilà, c'est juste, on apprécie la tuerie. Donc je level up en puissance. Qu'est-ce que... What? D'accord. Merde, qu'est-ce qu'il y a? Bah j'ai des zombies qui sont mis à vomir. Je... Ah, tu les as jamais vus, ceux qui sont malades? Non, j'avais jamais vu ça. Ah ouais? Ou alors, ouais, je m'en souvenais pas. Ceux qui sont vert jaune là, ils vomissent de temps. Ah, je l'ai pas eu. Ah, y'a une caisse là. Allez, ça faisait longtemps. Oh là. Ah, j'arrive. J'arrive, mais apparemment pas par là. D'accord, ça sert à rien. Y'en a un gros qui est en train de me balancer des rochers là. Je sais pas où il est. Ah. Oh, je l'ai coupé en deux. Arrive. Ah oui, je vois la caisse. Voilà. Tu vois, tu dis, mais on commence à en avoir. Ouf, non, c'est bon. On commence à en avoir des caisses humanitaires. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Allez, avec une bourse. Ah non, des bijoux volés. Bon, continuons. Donc on disait. Je sais plus. Le commissariat, en tout cas, doit être juste là. Hop là. Je peux en empaler un sur la route là? Voilà, merci. Au. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Calme-toi! Ah! Non! Non, non, pas les cailloux, pas les cailloux! On a dit pas les cailloux!
Alors, on rentre par où dans le commissariat? Il te fonce dessus. Ouais, mais il s'est loupé. Il te fonce dessus, quoi, toujours. Ouais, il y avait plein de zombies qui te fonçaient dessus aussi. Oh! Le rocher, je l'ai vu arriver, quoi. What the? Ah, c'était la voiture, d'accord. Oui, c'est la voiture. Ça, c'était pas une voiture, ça, c'était un caillou, ça. Par contre, il y a un intendant juste au-dessus, et je t'avoue que ça m'intéresse bien. Ah, j'avoue que... Alors, maintenant, il est plus au-dessus, il est en dessous. Bon, genre... Genre, il me fait une retournée, là. C'est un... Ah, là. What the... Ah non, c'était toi, putain. J'ai dit, il fait quoi, ce zombie? Excuse-moi, je ne voulais pas... Ah, attends, ah oui, non, d'accord, ok, oui, non, il y a l'université qui est juste là, ok. Ah, ok. D'accord. Donc ça veut dire que le chef de la police, il est pas dans le commissariat, ça doit être un cadavre qui est par là. Bon, monsieur Caillou est mort, hein. Bah, est-ce que c'était pas monsieur Caillou? Clé du bunker. Bah, voilà. Il suffisait de le tuer. Bon, bah allons-y. Ah non, ça veut dire qu'il va falloir retourner dans la mairie. Eh oui. Ah non. Encore. Ah non. Tu sais, Claude François l'avait prédit. Ça non. S'en va et ça revient. De... Pardon. Qu'est-ce qu'il y a? Bah j'ai un zombie qui vient d'ouvrir les volets, sauter la fenêtre et refermer les volets derrière lui. Ah, à refermer les volets carrément. Ah oui, il a fait la totale, hein, je... Oula, je vais un peu loin, moi. J'imagine c'est là. Ouais, c'est là. J'arrive. Yo. Voilà. Il y a des jambes de zombies qui dansent la Macarena. T'inquiète pas, c'est normal. D'accord. Allons-y. Donc, on va pouvoir ouvrir la clé. Non, la porte. Avec la clé. Oui. Ouvrir la clé, ça marchera pas. Ouvrons pas la clé avec la porte. Hein. Non, moi je vais ouvrir la porte avec la clé. Bon, du coup. Pour ouvrir la clé avec la porte, c'est pas bien. Alors, comment ça, gros, tout ça là? Ah, mais ça se fait un petit repas là! Qu'est-ce que tu fous là, toi? Tu veux mourir? Non, tu peux pas? Salut! Sur ordre du maire, tout le contenu de ce bunker m'appartient. Pardon? Dégage de là, espèce de voleur! Ah, bah tiens, j'en rêvais! Ah, désolé, je... Link le guise. Tu as de la chance que je ne puisse pas te défier en duel. Par contre, il est mort dans une position... Enfin bref. Bizarre. Pourquoi je sens qu'au final, il peut plus rien avoir dans ce bunker? Bah, techniquement, il avait pas la clé, donc... Oui, mais c'est pas parce que lui n'avait pas la clé qu'il a pas été pillé avant. Regarde, il y a bien un zombie à l'entrée, hein. Un cadavre, en tout cas. Ouais, j'avoue que oui, c'est pas faux. Alors, ça, on s'en fout, des cigarettes, je prends. Là. Rien. Y'a que dalle. Y'a un sac avec un inventaire plein, ouais. Ici. Bon, il y a des petites caisses oranges avec des clous, des trucs comme ça, mais bon. Là, il y a une porte rouge en bas. Ah, salle de stockage. Là, j'arrive. Qui est fermée, évidemment. Fermée, mais il y a des tuyaux. Haha. Ok, bon, là, il n'y a rien. On entre par les conduits d'aération. J'arrive. Je sais pas, tu es par où? Ah, par là. Oh, il y a un rat qui est mort coincé dans la ventilation. Et est-ce que ça veut dire que c'est ce qui va nous arriver aussi? Issan, ici Crane. Je veux monter. On a touché le gros lot. Bonne nouvelle, Crane. Merci. Est-ce que t'as demandé l'aide de ta vie? Je. Voilà. Ouais. Attends, je ouvre la porte si tu veux. Ah non, bah c'est bon, je suis dans les tuyaux. Bon, bah voilà. Bon bah y a du jump drink. Oh, une caisse humanitaire. Et une caisse humanitaire. Eh bah y'en avait 4 en tout. Ah bah voilà, 2 et 2. Parfait. Bah ouais, nickel. Et du coup en termes de quête annexe, il nous en reste plus qu'une, bandage et médicaments.
qui est au même endroit que là où on doit aller prendre une autre quête annexe. Attends. Ici, la quête principale, attends. Ici. Non, c'est la quête principale, c'est au même endroit que la quête principale. Ici. Ah, merci. Donc il y en avait 6 en tout. Il y en a 8 en fait en tout. Ouais. Tech. Bon, on va aller, juste pour se faire plaisir, on va aller rendre tout ça. Ah bah carrément. Ah bah là, j'avais dire carrément. Bon, il y a même pas un petit zombie qui se réveille le temps qu'on passe, tout ça, non? Bah apparemment non. Bon. Ouais, je me suis dit, je referme la porte au cas où. Bon, et crasheur. Oui, bon, ça. Alors, justement, l'intendant était pas loin. Oui, normalement, il est juste à côté, oui. Ouais. Bandage et antalgique. Ouais, on verra ça là-bas. Hein. Oui. D'ailleurs, il y avait pas une quête qui nous demandait ouais des bandages et des seringues ou un truc comme ça. Ou de la gaz. Non, pas. Oui, du gaz. Ah non. Oui. Oui, mais bon, ça c'est à la tour, ça. attends, moi je suis. Non, attends, il faut pas. C'est pas moi qui. Ah oui, non, c'est vrai. il faut qu'on aille là. De l'autre côté. Bah, il est où? Ah bah tiens, pour la peine, allez. Allez. Petite compétition, c'est toujours gratuit. Oh, je suis pas mort. Moi aussi. Ah, c'est la mauvaise session, j'arrête pas de me viander pour rien, quoi. C'est vraiment la mauvaise session. Non. Voilà. J'ai le trophée coup de bol. Ouais, je l'ai eu moi aussi, ça. Et puis... Attends, merde, par où on rentre maintenant? Je crois que c'était... fallait monter plus haut. Allez, plus haut. Elle est plus haut. Non mais lui je le retiens avec sa bouteille d'eau lui. Ouais mais apparemment j'avais pas pris le plan, ou j'avais pas sauvegardé. Alors l'intendant. Tan 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 tan. Ce qui fait oh 110 000. Ouais. Ah bah tiens, on a level up. Ouais. Moi j'ai pris qu'un niveau cette fois, pas deux. Ouais, un seul aussi. Oh puis alors, un seul et c'est tout juste. Booster XXL, les boosters durent plus beaucoup plus longtemps, bah écoute, allez. Ouais, je vais prendre ça aussi parce que bon bah. De toute façon il me reste plus que deux compétences de bouclier puis je crois que et puis c'est bon donc Par contre j'ai l'inventaire qui est plein donc je vais aller me vider. Ouais. Je te propose qu'on s'arrête là, puis comme ça on fait le vidage. Ah mais absolument, absolument. Très bien, bon ben dans le prochain épisode du coup on aura une quête annexe à faire au même endroit que la quête principale. Je pense que ce sera un petit truc, hein, bandage et soins, à mon avis vaudront de l'alcool ou je sais pas quoi. Donc oui, dans le prochain épisode, ce sera le retour du scénario. Le précieux scénario. Mais d'ici là, laissez un petit pouce bleu. Salut tout le monde. Bye bye.